Alors bon, je vais pas tout filmer parce que normalement je devrais pas être là. Les hommes, ils ont rien à faire ici. Mais on m'a donné l'autorisation d'entrée pour faire quelques images. Donc là, pour rentrer, bah, je suis toujours dans l'oasis, hein, on traverse cette immense esplanade. Bon, bah, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de déchets. Mais bon, en fait, il y a des déchets parce que là, devant la caméra, on voit, il y a un chien errant. Et en fait, bah, c'est malheureusement souvent les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent les poubelles. Et puis, bah, il est vide. Et du coup, il y a du vent, et bah, ça s'envole. Et puis, bah, voilà. Bon, il y a rien. Des chiens un peu partout là. Je sais pas si vous les voyez. Mais c'est grand, hein. C'est grand. Cette esplanade. Hop. Le village de Tigmer est là. Enfin, c'est l'oasis. Hein. Voilà, voilà. Allez, je retourne retrouver Maurice. Allez, on vous fait découvrir le résultat. C'est splendide. Alors là, bon, c'est tout frais. Hein. Le noir va s'en aller, etc. Il y a du citron dessus. C'est beau, hein. Voilà, on est le lendemain. Voilà ce que ça donne. Paul vient juste de passer de l'huile d'argan dessus. L'art de vivre à la marocaine. C'est beau, hein? Là, je vous montre, le dessus de ses mains. C'est de l'œuvre d'art. On est le matin, et je suis encore inondé de soleil. Franchement, ça c'est chouette. Bon, un peu des nouvelles. Hein. On est le 12, je crois, janvier. On n'a toujours pas notre prolongation. Bon, ben, on fait avec. Du coup, on est posé depuis déjà un bon moment dans l'oasis de Tigmer, pas très loin de Guimline. Alors, ben, on a pris nos marques et. Comme vous avez pu voir, on a fait la connaissance de plein de gens. Paul s'est fait aîné dans la famille de Zaina, je crois. C'est ça, enfin, j'espère que j'ai bien son prénom. On a fait un super goûter et tout. Et c'est un peu l'art de vivre au Maroc, les traditions, le aîné. Là, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est couscous. Alors, je vais faire des images. Enfin, c'est toute une tradition, le couscous le vendredi. Voilà, quoi, on prend le temps et finalement, on se rend compte que ben, on profite de rencontrer des gens, de connaître des gens. Et puis finalement, on est en train de devenir marocain. Presque. chose qui pourrait être agaçante, hein, le fait d'attendre ce papier depuis presque un mois maintenant. Bon, ça sera la semaine prochaine. De toute façon, lundi, on repart sur Tantan. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller sur Smara, La Hayoun, sauf que par là-bas, c'est hyper militarisé, il y a énormément de contrôle. Et nous, là, on est un peu hors la loi, quoi. Alors, on n'a plus le visa sur le passeport. Alors, on a un peu peur de se faire arrêter, d'avoir des ennuis, etc. Donc, on attend ce fameux laissez-passer, quoi. Et donc, du coup, bah oui, on est resté pas mal de temps à Tigmer, là, et franchement, on va régulièrement à Guimline. Donc, du coup, on s'est approprié la ville. On a notre petit café, on va boire le café au lait, qui s'appelle Ali Baba. Et puis, bah, du coup, on va au souk, etc. On va faire quelques travaux sur le camion aussi. Donc, comme on n'a plus le frigo, on l'a viré. On va faire des étagères et puis on va attendre à rentrer en France pour commander une glacière à compression de 40 litres qu'on a déjà fait la place. Donc voilà, on profite de cette douceur de vie marocaine. Et finalement, une des choses qu'on apprend, c'est prendre le temps. Voilà, ici au Maroc, on prend le temps. Et les amis, quand je vous dis qu'il se crée des liens. Alors donc ce matin,
c'est le couscous en préparation. On est vendredi, hein, donc au Maroc, le vendredi, c'est couscous. Donc voilà, Naïma est en train de s'occuper des légumes qu'elle va mettre dans le couscousier. Il y a déjà les oignons, hein, c'est rigolo. Alors pour moi, c'est vraiment super d'être ici avec Naïma à préparer le couscous. Ça, on aime. C'est vraiment des choses traditionnelles qu'on adore. Et il y a encore une surprise, vous allez voir tout à l'heure. Voilà, alors là, on met à cuire avec un peu d'huile sur la viande. Maintenant, on met les légumes, navets, carottes. Voilà. Là, vous allez tout savoir sur le couscous marocain. Alors, j'insiste hein, sur le fait que ce couscous marocain, le vendredi, c'est vraiment une tradition, quoi. C'est une journée particulière au Marocain, c'est le jour de la grande prière. Et donc, tous les vendredis, ils font le couscous. Donc là, moi, je suis en train d'éplucher les fèves avec Sabine. Et là, Naïma s'occupe de la coriandre. Voilà, alors là, maintenant, Naïma, elle attaque la semoule. Et ça, c'est tout un art. Et c'est de la semoule d'orge. Voilà, de la semoule d'orge, Sabine me précise. Voilà, donc Naïma commence par mouiller la semoule et la mélanger à la main. Tout un art. Alors, un petit morceau de sac plastique et hop, ça va faire le joint hermétique. Voilà, et là, Naïma râpe les tomates. Après, on effeuille la coriandre. Alors on a la pulpe de tomate hein, qu'elle a râpée. Donc regardez là, le couscous est en train de cuire. La fume, ça sent bon, ça, vous savez. Là, la sauce est dans le couscous. Et maintenant, elle a ressorti la semoule et elle va... les pépiniers, je ne sais pas comment on dit, voilà, les grainés, le terme exact. Donc là, il y a 3 kilos de semoule. Avec les mains, je ne sais pas comment elle fait, hein, parce que franchement, c'est très chaud. Alors, je suis ravi de vous partager ces images. La préparation du couscous, hein, toute une tradition marocaine le vendredi, c'est génial. Voilà, le concentré de tomates. Après le joint, en fait, c'est vachement... Voilà, Naïma est en train de dresser les plats du couscous que nous allons déguster en communauté tout à l'heure. C'est tout un art. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'ai été ravi de vous partager ces images des traditions marocaines et de la préparation de ce couscous que nous allons déguster maintenant. Je pense qu'on va se régaler. Alors là, Naïma, elle va habiller Paul dans la pure tradition marocaine. Elle a acheté un tissu, mais il faut savoir le mettre. Voilà, alors c'est tout un art. Hein. Ça fait partie aussi ces vêtements traditionnels. Voilà, il faut savoir faire un petit nœud qui va tenir la tenue. Et voilà! C'est beau, hein? Bah oui, c'est joli. Voilà, très joli. Salam alaikum. Donc voilà, Paul apprend à faire l'égrenage de la semoule.
Bon ben il fait nuit, voilà. Bon je sais, je suis très mal coiffé. On doit aller chez un coiffeur que connaît Mohamed, mais j'attends encore qu'il m'y emmène. Bon c'est pas grave. Mais en fait voilà, ben, la journée est passée, hein, le couscous. Après un tour dans Gimline et on a fait les magasins de menuiserie pour avoir des étagères dans le camion, etc. Enfin, bah finalement on commence à vivre comme les Marocains. Voilà, on va dire ça, on vit comme les Marocains, la douceur de vivre ici, le climat qui est exceptionnel bien sûr. Et on prend le temps, et puis finalement on s'aperçoit que le temps passe, bah, on n'a pas ce fameux papier, mais bon, on se régale quand même, finalement c'est une autre façon de voyager que, bah, qu'on n'avait pas prévu, et puis on improvise un peu chaque jour, et puis bah, finalement c'est bien sympathique, quoi, parce que bah, du coup on repartira du Maroc en ayant vécu avec les gens, en ayant partagé avec eux des choses. Et puis bah, finalement, c'est un peu ça quoi le voyage. On n'a plus de frigo, et bien on a trouvé un menuisier qui va nous faire un beau travail pour demain, pour nous faire les étagères dans le camion. On joint l'utile à l'agréable, c'est ça le Maroc. Voilà, il travaille bien. Hein. Alors certains vont me dire combien tu payes ça, et bien 300 dirhams. Les deux étagères pour poser, monter, etc. Regardez ça un peu. Exactement ce qu'on voulait. Pas évident de filmer, hein, mais voilà, il est en train de... Je voulais le faire. En train de poser les étagères, regardez un peu. Hein? D'où? Voilà. Top, hein? Donc voilà, c'est pas évident de filmer, hein, mais voilà ce qu'on a fait faire. Vous voyez, deux étagères et en bas, bah, il nous restera la place pour mettre la future glacière à compression. Voilà. Et on a payé donc 300 dirhams, c'est-à-dire 28 euros et quelques. Mais franchement, c'est bien fait. Hein. Presque dans le même ton, on va dire, presque. Et voilà, le nouvel aménagement. Là, on va stocker les fruits et les légumes, voilà. Et donc en dessous, pour le moment, il y a la place, voilà, pour mettre la future glacière à compression. Voilà. On est assez content du résultat. Ah, mon chef, il a fait le pain. Voilà donc toujours l'accueil à la marocaine, on est retourné au marché au dromadaire et là on a un gentil monsieur qui nous explique un peu bah, ce qu'il fait avec son troupeau, pourquoi il vend, etc. C'est vraiment très agréable et très intéressant. On est au marché. Ah, c'est pareil, c'est s'imprégner de la couleur locale, c'est vraiment extraordinaire par les prix. J'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est vraiment top. Quoi. Alors là, les amis, on est avec notre ami Mohamed. Et alors, il nous a dégoté un petit restaurant dans Gimline qu'il connaît très bien, peu cher, et où on mange du poisson. Je vous montre ça. Regardez ça, alors, du poisson frais. Hein. N'est pas les tagines. C'est magnifique. Hein. Les fourneaux. Voilà. Oh, puis toute l'équipe est sympa. Voilà. Bon alors là on a trouvé un quartier, c'est assez incroyable. Il n'y a pas de touristes, hein, ça c'est sûr. On se fait regarder, mais alors c'est, bon, on dirait une espèce d'énorme brocante, mais il y a des centaines de milliers d'objets incroyables. Ouais c'est génial. On est toujours dans Gimline, hein. Je vous dis, on est en train de prendre nos marqueurs. On va finir par rester habiter ici.
bien, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'ai été ravi de vous partager toutes ces images de ces traditions marocaines que nous on aime. Voilà, on a fini en musique hein, le samedi soir. C'est toujours un peu aussi de musique locale que nous on aime bien. On passe toujours un très bon moment. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Vraisemblablement, la semaine qui vient, on va quand même pouvoir redescendre sur Tantan, récupérer notre laissez-passer. Enfin, on espère. Et du coup, ben, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes. Allez, bye bye.